Bien le bonjour. Alors non, il n'y a pas d'erreur, ça n'est pas la nouvelle lune et aujourd'hui on n'attend pas la nuit. J'inaugure un nouveau format que je n'avais absolument pas prévu d'inaugurer aussi rapidement. Mais voilà, les circonstances de la vie faisant, j'ai trouvé du travail et je suis obligé de déménager et même de déménager à l'étranger. D'ailleurs, certains l'auront peut-être remarqué, l'épisode 2 a été réalisé dans des circonstances un petit peu particulières puisque j'étais dans le rush des préparatifs. C'est donc pour ça qu'il y a quelques imperfections et qu'il a été écrit un petit peu à la va-vite. J'espère que ça ne s'est pas trop vu. Bon alors maintenant, quelques mots sur ce nouveau format, tant que j'y suis. Donc comme son nom l'indique, les flashs, ça va être des vidéos relativement courtes qui vont nécessiter peu ou pas de montage et qui seront du coup assez souples à réaliser et qui me permettront de vous transmettre des informations rapidement. Initialement, je comptais l'inaugurer pour réagir à chaud sur les événements spatiaux ou donner une information quelconque. Donc là, une information sur la chaîne. Ensuite, le nom Iridium, les astronomes avertis auront tout de suite reconnu de quoi il s'agit. C'est un phénomène qu'on peut observer, mais je ne vais pas en parler ici, puisque j'ai prévu de faire un épisode là-dessus, donc ça viendra un petit peu plus tard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le générique vous donne un très bon aperçu de ce de quoi il s'agit. Voilà, j'en termine là pour ce premier flash. Il faut que je vous laisse, je dois aller prendre mon avion. Je vous invite à cliquer là quelque part sur le côté pour Facebook, Twitter et pour s'abonner à la chaîne. Je vous invite d'autant plus à vous abonner puisque mon nouveau pays d'adoption nous promet quelques phénomènes et de futures vidéos tout à fait intéressantes et tout à fait spécifiques à la région. En attendant, je vous souhaite un ciel meilleur que celui-ci et de belles observations. Voilà. Ah bah j'ai arrêté juste à temps. Merci les chasseurs. Remarque, tu peux l'intégrer, c'est pas mal. On vit dangereusement.